Hey, salut tout le monde, c'est Max Payne, bienvenue pour cette nouvel épisode d'As du Char. Aujourd'hui, As du Char avec mon Léopard 1. Léopard 1, char de tir 10 allemand. Excusez-moi. Donc, char de tir 10 allemand médium. Donc, enfin voilà, un très bon char. De toute façon, vous l'avez suivi pendant la série, on monte au niveau 10. Hein. Donc, sur la map Prokhorovka, si je me trompe pas. Donc partir de tir 10, on peut voir que d'un autre côté, on a plutôt une compagnie de lourds, puisqu'on a 4, 5, 6, 7, 7 lourds contre 1 et 2 lourds contre l'autre côté. Eux, ils ont ils sont un peu plus mobiles, donc il va falloir faire attention. Donc sur Prokhorovka, une map que bah, je n'aime pas du tout, je vous avouerai que j'aime pas du tout. Donc bah, je vais me placer là pour essayer de taper les gens qui sont en colonne 1-2 et les gens qui sont en colonne 9-0. Tout en faisant attention à ne pas me faire repérer tout ça. Enfin voilà quoi. Allez, on peut voir qu'il y a un Waffenträger. On va essayer de lui en mettre une. Ou pas. Voilà. Et là il y a du monde. Là il y a du monde, le 110-5 qui se prend la mythe là. À mon avis, il va faire demi-tour. Donc bah, la première partie va être un peu lente. Parce que, enfin voilà, comme je vous disais, je suis pas un grand fan de cette map. Je vais pas savoir trop quoi faire, donc je vais rester pour l'instant là. La chance que j'ai, c'est qu'il n'y a pas d'artillerie. Donc pas besoin de bouger dans tous les sens, tout ça, si on est spot. Enfin voilà. Donc pour l'instant on va rester en attente par ici. Allez, on peut voir qu'il y a un IS-7 qui passe. Hop, le 150, la tourelle, ça passe tout seul. C'est... ce char, je vous dis, hein, le Léopard 1, c'est un char fantastique. Je pense que c'est le char que je préfère du jeu pour l'instant. J'ai pas débloqué tous les chars, mais pour l'instant c'est le char que avec le Léopard PTA. Donc celui-là c'est l'évolution du PTA, donc il est encore mieux que le PTA. Donc quand j'étais bien avec le PTA, celui-là je suis encore mieux. Donc vous avez qu'à voir. Donc c'est vraiment très agréable. Il est vraiment très agréable, la conduite, le tir. Le seul défaut c'est qu'il a pas de blindage. Donc voilà, faut faire attention, faut jouer avec ça. Et puis voilà, sinon il a une très bonne dépression, enfin il est bon partout, il est bon partout. Allez, le 50 qui est bientôt fini, on peut voir qu'il y a un 121 là-haut. On va essayer un petit peu de dire bonjour. Notre IS-7 qui a été tué par le 121, qui était là-haut. Et oui, puisqu'il est comme il était spot. Alors attention quand même. Alors je pense que celui-là est passé. Je suis pas sûr. Puisqu'il était un peu de travers notre ami. Allez, 300 pour le 121. On est bien. Le centurion. Alors là j'ai failli un peu mon tir. Bon. C'est pas grave. Ah, je reload dans 7 secondes 14 à peu près. Ah, jusqu'en je tire, il recule. Hélas. Ah, vous avez vu, hein, l'IS-7. J'ai pas tiré parce que de face... il y a de grandes chances que ça pénètre pas. Donc c'est pour ça que j'ai préféré me mettre sur bah, sur le médium, sur le centurion. Là le 121, l'obus, je sais pas où il est. Allez. Voilà. Allez, on en remet encore une. Ah, je suis spot. Donc on va bouger un petit peu. Et donc là,
Vous voyez que sur le colonne 9 et 0, ça commence à pousser. Le Tiger, il sert à rien parce qu'il est en train de plonger dans l'eau. Donc, voilà, c'est un peu useless. On voit que l'autre côté aussi, donc l'autre côté des rails, du côté 7, 8, 9, 0, on a un objet 668. On a le WZ, on a l'IS, on a le 121. Donc, à faire attention. Et que par contre, de l'autre côté, colonne 1 et 2, on n'a qu'un Patchat et voilà un Ferdinand. Donc là, comme vous avez vu juste avant, je m'étais posé la question, est-ce que je vais aller vers le Patchat comme il est tout seul. Donc c'est un peu compliqué. Donc je sais pas, j'hésite beaucoup là hein, sur ce début de partie. Donc là, ça fait déjà 5 minutes que 6 minutes que la partie est commencée. Donc là, je sais pas ce que je fais. Là la question. Là, je bouge pour savoir qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller, tout ça. Donc j'essaye de voir si j'ai pas un visuel sur, sur eux. Le bas de chat là, il est en face. Normalement il devrait descendre. Et puis là, je décide d'aller support mon Tiger 1 là. En sachant qu'il reste plus que le 121 normalement. Donc voilà, ça devrait le faire. En plus je suis full PV. Donc j'ai le temps. J'ai le temps. Et il mène 7-5. Donc attention. Hop, alors on va essayer d'aller vite. Pour pas être spot. On voit qu'il y a un Lorraine, E50. Il y a l'object là-bas. Qui est en train de faire une percée fulgurante. Je vais en apercevoir juste après. Voilà, je m'en aperçois là. Je vais juste me cacher ici. Voilà. Je le vois plus. Mais je vais le revoir, vous inquiétez pas. Hop, je me mets juste derrière un buisson. Voilà. Voilà, l'object fini. Donc là, il m'a spot. Hélas. Donc le 121 sait que j'arrive. Donc attention. Allez, le Lorraine. Le 50. Si je peux en finir un ou deux. Voilà, le 50, le Lorraine. Et fini avant moi. Bon, bah, c'est pas grave. Donc nous sommes à 2 kills. Le WZ qui vient se donner. Trop gentil. Donc là, il m'a vu. Là, je joue avec le décor. Hein. Faut jouer avec le décor, n'hésitez pas. Vous avez vu, il est obligé de tirer comme ça, un peu à l'arrache. Là il recule donc je sais qu'il va pas tirer. Et donc j'ai juste à l'aligner. Voilà. Parfait. Allez, 10-10, 3 kills. 2987 de dégâts pour l'instant. Il reste 3 médiums et pas des moindres. Un léopard 1, un Patchat. Et le Patchat il est là-bas. Donc hop, je suis tranquille. Le léopard 1, normalement, il est en face du E100. Donc en face de moi, normalement, j'ai que le 121. Hop. Un Lucky Shoot sur le 121. Voilà, pour lui dire qu'on est là. Attention. Donc là, il redescend. Je vais prendre le... Je vais y aller. Il reste le E75. Par contre, le E75, je sais pas où il est. Et le chariot T, non plus, je sais pas où il est. On ne les a pas vus depuis tout à l'heure. Pourtant, ils ont fait des kills. Hop. Donc le 121. Voilà, je lui en remets une autre. Voilà, il reste plus que 150. On est bien. Le léopard 1. Le léopard 1. Que va-t-il faire? Donc là, je vais essayer de choper les tours et l'eau qui est en haut. Je sais pas si c'est un weak spot sur le 121. Parce que je le connais pas bien ce char. Donc je vais essayer. Tant qu'à faire. Donc là j'ai un peu visé en bas. Hélas. Ah puis il m'en met une. Une 476. Bon. Si tu le dis.
Allez, on essaye de choper la tourelle là. Allez, viens. Viens. Il bouge, hein. Là, ça bounce. Bon. Tant pis. Et là. Pardon. Et là, je suis un peu dans la merde parce que le Batchat arrive. Et le Batchat, il est à 1000 PV. Donc là, ça pue un peu pour moi là. Je sais qu'il faut que je sorte vite le 121. Parce que si je sors pas vite le 121, il y a le Batchat. Le Batchat, il va m'embêter. Donc là, j'ai peur qu'il rush tout de suite là. En plus, j'ai tiré dans la mode de terre. Mais bon, ça va. Il rush pas tout de suite. Voilà, 121 sorti. Et il me reste plus que le Batchat. Le Batchat qui commence à m'engager. Et là, on va faire un peu joujou. Heureusement qu'il y a la carcasse. Hop, un tir. Il rate. Moi, je le rate pas. Il va m'en mettre une. Bon, c'est pas grave, hein. Je suis à 1000. Encore un shoot. Et voilà. Il a fait un peu le noob, là, le Batchat. Et là, il reste plus que le chariot de terre. Un petit drift, hein, juste pour le style. Donc là, je suis à 1000 PV. Donc là, c'est tout droit, clic droit. Et on y va. Voilà. Là, je peux me permettre de tirer. Il n'y a pas de souci. Je peux en prendre. Il me loupe, donc j'ai juste à faire le tour. Oh, il peut m'en remettre une, hein, c'est pas un souci. Sauf s'il me fait la remorque. Allez, et le dernier, voilà, super. Et voilà, donc parfait, donc super, super bataille. Donc la prise de décision, tout ça, de revenir sur les colonnes 9. Et zéro, donc voilà, j'ai bien fait en fin de compte, parce qu'on était mal engagé. Je fais 6 kills, donc là j'ai 5595 de dégâts, mais il y a des blends qui sont passés, donc je suis à 6293 je crois. Et puis voilà, donc je vous laisse les statistiques, vous pouvez regarder. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, bye bye tout le monde.